Une minute de silence en mémoire de leurs collègues qui sont passés de Via Tripa, les enseignantes et enseignants de la circonscription scolaire de Parakou 1, qui sont appelés à faire valoir leur droit à une pension de retraite, sont honorés. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner, mais nous avons voulu vous recevoir et passer un petit temps avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la santé, qu'il vous protège et vous garde encore très longtemps afin que nous puissions bénéficier de vos sages conseils. Au nombre de 57, ils sont honorés pour leur bon et loyaux service rendu à la nation béninoise. Je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil à ces aînés qui incarnent aujourd'hui les valeurs de notre système éducatif. Nous vous disons merci. Appelés affectueusement aînés ou encore douaniers, ceux encore en activité souhaiteraient toujours bénéficier de leur expérience professionnelle. Le seul vœu qu'ils émettent en cœur avec moi, je cite, « N'abandonnez pas votre école ». La réponse à cet ardent vœu permettra d'apaiser l'interrogation ou le souci de Saint Thomas, je cite, quels enfants laisserons-nous à cette terre? Vous avez fait des souhaits. Ce n'est pas rentrer dans les oreilles de sourds. Sachez que nous sommes disponibles et nous allons toujours nous rendre disponibles. Cette cérémonie de reconnaissance du mérite et de revoir a pris fin autour d'un repas en présence de Kadiri Bata Gandé, un acteur politique engagé pour la cause des enseignants.